Le 28 novembre 1998, la Ligue contre le cancer organisait les premiers états généraux des personnes malades. L'occasion pour ces dernières de faire entendre leur voix et de revendiquer leur droit à être reconnues d'abord en tant que personnes. Ce jour-là, le constat est sans appel. Elles souhaitent une approche plus humaine du cancer et souhaitent transformer l'image associée à la maladie. Ces états généraux révèlent un immense besoin d'expression, d'accompagnement, d'entraide et de rupture de l'isolement. Consciente que cette lutte contre le cancer doit se faire sur tous les fronts, la Ligue décide de contribuer significativement à l'amélioration des connaissances dans le domaine de la biologie du cancer en lançant dès 1999 son programme national Équipe labellisée, permettant d'apporter un soutien financier pluriannuel à des équipes de recherche en cancérologie reconnues pour leur excellence. La même année, le Comité de patients pour la recherche clinique, CPRC, est créé en partenariat avec Unicancer afin de favoriser l'implication des patients dans la recherche et pour améliorer les conditions de leur participation dans les essais cliniques. Dans le même temps, la Ligue poursuit son ambition de faire entendre la voix des personnes malades en organisant les deuxièmes états généraux et en publiant en 2000 un livre blanc « Les malades prennent la parole ». Ces événements majeurs incitent les autorités à réagir, avec l'adoption en 2002 de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, permettant notamment que leur parole soit désormais portée par des représentants des usagers au sein des instances hospitalières et de santé publique. Les décideurs prennent par ailleurs conscience que le cancer représente un enjeu de santé publique prioritaire et lancent en 2003 le premier plan cancer consacrant notamment le dispositif d'annonce et un accompagnement renforcé autour du traitement. Puis en 2005, il crée l'Institut national du cancer afin de coordonner les actions et de renforcer l'efficacité des politiques publiques. Heureusement, grâce au progrès croissant de la recherche, les thérapeutiques avancent et les personnes doivent pouvoir reconstruire leur vie sans subir une double peine sociale et économique. La Ligue et d'autres associations signent donc la convention AERAS en 2006 afin de faciliter leur accès à l'assurance et au crédit. En novembre 2008, la première convention de la Société face au cancer est organisée par la Ligue, permettant de constater les progrès du premier plan cancer, mais aussi d'identifier les défis encore présents. Cette rencontre a abouti à la création de l'Observatoire sociétal, chargé d'analyser les aspects sociaux de cette maladie pour mieux comprendre les difficultés des personnes et orienter les actions vers une prise en charge plus équitable. Ces travaux constants ont notamment permis de contribuer à l'élaboration et au déploiement du deuxième plan cancer en 2008. La volonté croissante des personnes malades de participer à l'amélioration des politiques publiques a permis la reconnaissance des patients ressources à l'occasion du troisième plan cancer mis en place en 2014, leur permettant ainsi de partager leur vécu auprès d'autres personnes malades et de professionnels de santé en cours de formation. La Ligue n'a eu de cesse depuis de porter la voix des personnes malades et de défendre leurs droits, y compris après la maladie. C'est ainsi qu'en 2015, le protocole d'accord instaurant le droit à l'oubli a été signé au siège de la Ligue en présence du président de la République. Ayant à cœur de poursuivre son engagement en contribuant activement aux différentes politiques déployées au niveau national, la Ligue organise les premiers états généraux de la prévention des cancers, permettant d'alimenter la stratégie décennale lancée en 2021. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais continuer à agir pour que chaque personne malade ait accès au même accompagnement, peu importe son genre, son âge, son origine sociale ou son lieu de vie.